Moteur chaud, hein. Rien n'est difficile. Moteur allumé, moteur bien chaud. Je lui ai donné des coups de gaz. Manière que les joints, tu asperges partout. Donc c'est-à-dire les joints en base, les joints de clapet, les joints intercarter, la pipe d'admission, le joint de culasse. Comme tu as pu le voir, le moteur n'a pas réagi. Donc quand tu commences à asperger, moteur au ralenti comme ça, que le moteur il commence à baisser de régime, ça veut dire que tu as une prise d'air. Donc il faut toujours faire ça avant de régler son carburateur. Donc quand tu as fait un montage moteur, premier démarrage, tu le laisses au ralenti. Il faut toujours, toujours vérifier les prises d'air avec une bombe nettoyante frein. Pour voir si le moteur réagit quand tu asperges dessus. C'est pas le cas. Du coup, c'est parfait. Maintenant, je vais continuer mon rodage. Et ensuite, on va l'emballer et on va l'envoyer à l'abonné. Voilà. J'espère que ça t'aura plu. Cette petite série du moteur booster de l'abonné 70 top performance avec un piston mal aussi en 12 mm et un vibrequin mal aussi. Donc voilà, voilà. C'est nickel. Comme tu peux l'entendre, le moteur est très gras. Comme tu as pu le voir, il est très gras. Donc c'est pour ça que je l'ai fait accélérer un peu pour voir si la richesse était bien grasse. C'est bien. Donc moi je vais le laisser comme ça. À l'abonné à lui de baisser petit à petit en gicleur quand tu l'auras fait son petit rodage vraiment tranquille, les petits tours de roue vraiment tranquille, un quart de poignet tranquillement et tout ça. Et ensuite il faudra que tu baisses ton gicleur de 5 points par 5 points jusqu'à qu'il arrête de brouter, de ratatouiller et tout ça. L'aiguille elle est restée au milieu. La vis d'air elle est à 3/4. Elle n'est pas à un tour, elle n'est pas à un tour et demi. Je l'ai mise à 3/4. Voilà. Le power jet toujours on le débranche quand on fait ses réglages. Ok, on fait ses réglages sans power jet. Le power jet c'est de là. Ok. Bueno. Maintenant, moi je vais continuer de mon côté. Toi, eh ben, tu vas voir quand tu veux, je vais le mettre dans le carton et je vais l'amener à l'abonné. Voilà, tout simplement. Sur ce, c'est une vidéo très rapide. Voilà. Continue mon petit rodage. Tranquillou. Ah, j'ai oublié de te préciser que le Carbu Stage 6, c'est tellement une bonne marque, c'est le feu de Dieu. J'ai dû régler le flotteur. Parce que si tu le montes comme ça sans toucher au flotteur, ton carbu il pisse dans tous les sens et c'est de la grosse dope. Surtout, le petit trou qu'il y a à ce niveau-là, il était tout minuscule. Donc, il n'aurait pas réagi au réglage. Voilà. Donc là, il y a un puits de 30 trous pour débrider les tours minutes dans les hauts régimes. Il y en a certains qui vont dire, mais ça l'enrichit tout ça. Oui, ça l'enrichit dans les bas régimes, ce qui est normal. Donc il faut, il y a tendance à abaisser l'aiguille si vraiment il y a besoin. Si vraiment tu joues vraiment sur le couple à un quart de poignet, ben, tu baisses un peu l'aiguille. Voilà, ça enrichit les bas régimes. Mais le moteur prend plus de tours en haut régime. C'est ça qui est plus intéressant. Parce que si tu mets un kit, c'est pas pour rester un quart de poignet, c'est pour mettre les gaz à fond, à fond. Je mets mon bidet truc. Faut pas que l'essence aille partout. La cosse, je l'ai pas cassée, hein. Déclipsé pour bien le mettre en contact avec mon petit bout de tuyau. Ding dang dong, je fais ça là. Je cherche la compression. Ok, j'enclenche. Parce qu'il y en a, il faut. Flaf, 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 flaf. Ils arrachent tout. Ils arrachent le rocher de kick, bordel de merde. Oui, il y a de la buée, il fait moins 1 dans la cave. Qui y a maintenant? Sachant que j'ai le tuyau branché, ça fait que je perds un régime. Eh, je le débranchons. C'est beaucoup plus rapide. Il est bien chaud, le piston cylindre s'est dilaté, c'est parfait. Maintenant il va se rétracter et puis tout est nickel. Allez, on va l'emballer maintenant et on va l'envoyer à l'abonné parce que... Bon, il aura le moteur pour Noël. Donc voilà son cadeau de Noël. Ben, il a un moteur tout neuf. Même s'il a mis deux fois le prix de la config qu'il a mis dessus. Malheureusement parce qu'il a fait monter par un quignol qu'il a monté à l'arrache. Malheureusement on a dû tout racheter.
Mais là, pour Noël, il a un moteur full neuf, full impeccable. Ah. Perfecto. Abonne-toi, au passage. Si tu veux m'envoyer ton carburateur ou ton moteur, avec grand plaisir. Le moteur, il sera la bienvenue ici, il sera entre de bonnes mains. Voilà. Même si je suis un peu starbé, je fais le travail propre, efficace, dans les règles de l'art. Il y en a qui disent, oh, la merde, casse-toi de là. Tu sais pas, moi. Tu me connais pas, vas-y, casse-toi. Et j'ai pas précisé, gicleur de 168 dedans. 158 ou 168. 158. Dans tous les cas, si c'est 158 ou 168, c'est bon. On est dans les règles, c'est bien gras. Parce que moi, sur le 88, là, admission libre, j'étais en 155. Donc là, c'est un petit moteur, c'est un petit 70 fentes. Voilà! On est trop riche, mais vaut mieux que ça soit comme ça. Toujours commencer trop riche les réglages moteurs, parce que si tu fais tes réglages moteurs trop pauvres, ton moteur qu'est-ce qu'il fait? Il tourne à sec, ton piston il frotte à sec, et t'abîmes ton moteur. Donc pour ça, toujours commencer trop riche. Bordel de merde. Tu m'écoutes pas, j'ai rien à foutre, tu m'écoutes pas, tu casses ton moteur, tu m'écoutes, eh ben tu verras que ton moteur, il va avoir la santé, la pêche, la patate, il sera... Ah. Par contre, pour le rodage, moi je conseille de l'huile semi-synthétique, de l'huile de merde, pratiquement de l'huile de coupe, pour que le piston s'adapte bien avec le cylindre. Ça frotte un petit peu, que le rodage se fasse quand même. Parce que si tu mets de l'huile 100% synthétique et en plus de la motule 800, ton rodage ne se fera pas. Parce que pourquoi? Parce que l'huile protège trop les pièces et du coup ne laisse pas le rodage se faire. Et ça fait que toi tu crois que tu fais le rodage et tout, avec de l'huile 800 motule et tout ça. Mais non, malheureusement non, tu fais pas de rodage. Le rodage ne se fait pas. Il est trop protégé par la bonne qualité d'huile. Tu vois ce que je veux te dire ou tu captes pas, d'accord? Et ensuite ton rodage quand il est terminé, là tu nous mets de la bonne huile pour tout protéger à l'intérieur, avoir ce joli petit film d'huile qui reste à l'intérieur du moteur perfecto. La qualité de l'huile, c'est très important. Pourquoi? Parce que si tu as de l'huile de merde, quand tu vas laisser ton moteur toute une nuit et que tu vas le reprendre le lendemain, qu'est-ce qu'elle fait le film d'huile de merde? L'huile de merde, eh bien, l'huile elle redescend, elle reste pas sur la paroi du cylindre. Et quand c'est de la bonne huile, eh bien, l'huile elle reste sur la paroi du cylindre parce que c'est de la bonne huile qui accroche bien, qui reste bien. C'est de la bonne huile tout simplement. Voilà. Ah, je suis bien content. Toile d'araignée. Le moteur est emballé, donc tout autour c'est bien mou. Moi j'ai plus de batterie, j'ai plus de mémoire. C'est tout mou. Ah là, là, j'ai mis là les épaisseurs autour. C'est parfait. On dirait un K-pop drogue, MDR. Mais voilà, ça m'a, là c'est bien protégé. Donc là, mon raid, le côté le plus plat, c'est le dessous du moteur.